salut, station fréquence, bonne sur 13.51 à vous tous de la part de Dindy 33. Alors on est le vendredi 1er juillet 2016 et il est 21h et c'est parti pour le QSO du canal 27. Petit rappel avant de repasser le micro aux stations en fréquence. Pour commencer à chaque ce QSO, à chaque fois une petite vidéo là pendant la première demi-heure pour motiver les troupes. Et les QSO la CM du canal 27 est fait pour booster les QSO locaux et non pas les contacts DX. Maintenant, si la propagation est là, c'est sûr qu'on refusera pas de faire des bons contacts. Alors, est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Oyez, voilà, j'ai baissé un petit peu là les vitamines, ok, voilà, histoire de pas trop casser les oreilles là aux stations lointaines. Enfin, bon, bref, allez, non, j'ai des stations qui m'ont déjà entendu un peu trop loin d'ici. J'ai pas trop envie de les emmerder, c'est pour ça que là, ce coup-ci, j'ai baissé un petit peu, quoi. Les 73 Dolu, comment tu vas? Ça va bien depuis tout à l'heure, écoute, voilà, j'attends patiemment le début du QSO, j'espère qu'il y a du monde derrière, voilà, je vais laisser le petit blanc. Bon, ça démarre juste, hein, c'est jamais pile poil, hein. Ah, j'entendais un bip, est-ce que c'est la propague? T'as vu le... Enfin, je suis pas allé voir là, l'étage au-dessus, mais de ce côté-ci, là, la propague a descendu d'un coup. Hein. Ah ouais, parce que tout à l'heure, il y avait un petit peu de tout, là. Il y avait pas mal d'Espagnols, même en FM, là, sur les 40 X, là. Et ouais, c'est vrai qu'il y avait un peu de monde. Mais bon, après, je sais pas, je suis parti manger, donc bon. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Bon, j'avais baissé le volume, mais en ayant toujours une oreille dessus. Et c'est vrai que là ça a baissé d'un coup. Hein. Allez, bah, s'il y a un break, j'ai entendu un bip aussi, donc vas-y, un break en avant. Ouais, j'entends quelqu'un dans le lointain, mais c'est très QRP de mon côté. Attends, je vais remonter un peu. Attention Didier 012. Attention Didier 012 pour Dandy 33 qui t'appelle. Est-ce que c'est toi là que j'ai entendu? Attention Didier 012. Attention Didier 012 pour Dandy 33 qui t'appelle. Est-ce que c'est toi que j'ai entendu la très QRP là dans le lointain? Bon, j'ai rebaissé de deux crans, c'est pas la peine, apparemment c'est pas lui. Ouais, co, là je suis très QRP, bonsoir à tous. Waouh, ben ça passe très fort quand même. Qu'est-ce que ça sera quand tu seras en maxi puissance, Hachi? Les bains de 73, Eric. Ok, oui, 73-51, les invités à Ludo aussi. C'est pareil, là, ça va Ludo, c'est bon, là, c'est là, 4 watts, pas plus. Eh oui, parce que pas plus de 4 watts sans problème. Ça va très bien, 73-51 à toi aussi, hein, voilà, j'espère que tout va bien aussi de ton côté. Ça passe très bien, forcément, toujours, hein, quelles que soient les conditions météo ou de propague, voilà, pas de soucis. Ok, mais j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Et puis les amitiés avec vos permissions respectives à vos QRA, hein, et puis voilà, je repasse le. Ok, merci. Ben moi, ça a été comme la rengaine habituelle. Le pro, toujours sur Mérignac. Ah oui, tiens, demain soir, je pourrais pas être en fréquence, car ben à nouveau au pro, mais ailleurs ce coup-ci. Pas très loin du QRA, mais hélas, vu les horaires, ça, je pourrais pas être là, quoi. Là, j'attaquerai à 20h30 jusqu'à tard dans la soirée, quoi. Ok, je comprends bien, tu vas en boîte. Ok, d'accord.
Ouais, non, c'est plutôt une mise en boîte là où je vais, à Chy. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Ouais, je vais laisser un petit blanc, les gens qui auraient du monde. Ouais, on se prend une moustache de Roger Beep. Là, le coup d'avant, je croyais que c'était un break lointain, mais à mon avis, non, ça doit être de la moustache. Ah oui? Ben, comment ça peut être possible? Ah ben oui, au niveau de la propagation, ça l'a fait un peu de personnes, et c'est en discutant, tu vois, que j'ai vu ça, et c'est vrai que ça faisait les saccades, et le signal montait haut, et puis ça courait pas mal de choses, quoi. Voilà, voilà. Allez, à toi, Lilo. Ouais, moi d'ailleurs, j'ai essayé de... Enregistrer le break. As-tu le nom de la web SDR là qui est en Allemagne? Juste le nom, pas l'adresse. Avec le nom, on devrait arriver à retrouver. Oui, en avant le break, les bandes 73, la part de Dandy 33 et toute l'équipe. Un petit peu surpris. Je m'attendais, je sais pas à quoi je m'attendais. Je me suis dit, ça y est, qu'est-ce qui va nous arriver là sur le coin de la figure? Ah, chie trois coups. Les 2713-51 de la part de Dandy 33, indicatif 14, Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi. Ok, merci pour le QSP. Du coup, dans l'attente du message, parce que alors là, on était en haleine à pas savoir de quoi il s'agissait, j'ai zappé le prénom et l'indicatif. D'accord, mais j'avais briqué là cet après-midi.
je suis Charlie Papa 346, mais comme le bleu a fondu les plombs là déjà il y a plusieurs années, je me suis précipité pour voir s'il avait adhéré à un autre club qui était les Charlie Papa. Et puis bon, je suis tombé sur quelqu'un de très sympathique qui m'a expliqué tout ce qui se passait et on a papoté là pendant peut-être une grosse demi-heure et c'est là qu'on en est venu là et il m'a dit que vous étiez là, je crois, du côté de Saint-Émilion. Oui, affirmatif, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille, sur un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe. Ok, j'espère que je ne module personne. Ok, alors le QSO du canal 27, c'est un QSO national. Alors chaque région se débrouille à le lancer de son côté. Et le but est de, justement, à la différence des contacts DX, le but est de promouvoir et redynamiser les contacts locaux. Et bon, si la propague est là, évidemment qu'on va prendre des stations dans le QSO, bien entendu. Et donc ce QSO, on le fait tous les vendredis soirs et samedis soirs à partir de 21h sur le canal 27. Alors le canal 27, il y a deux raisons. D'abord, c'est en souvenir du canal 27 d'autrefois, qui était utilisé autrefois en AM. Et la deuxième raison, c'est pour en même temps se mettre à la portée des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir de grosses stations et monter en supérieur. Voilà. Alors si nous, ici, on est en USB et non pas en AM, eh bien c'est à cause de la distance des uns des autres, car si on basculait en AM, là, ça serait fini, on ne s'entendrait plus, quoi. Voilà, retour de micro, Jeannot. Mais au contraire, pour le report, c'est du 56, hein, là, de mon côté, là, sur Sainte-Colombe, sur antenne verticale. Ça, c'est pareil, ça passe très bien, là, hein. Ok, merci. Retour de micro sur Ludovic, hein, qui est sur Florac, Dolu 33. Pas encore sorti, les sur 13 51, voilà.
Ah mais tout le monde n'est pas là. Il nous manque encore Michel, la tour de contrôle, plus quelques autres stations qui viennent de temps en temps nous dire bonjour et tout ça. Là, tout le monde n'est pas là. Il y a aussi parfois les Pyrénées qui se joignent à nous, les Landes. On a déjà eu une YL de département 24, je crois, ou limitrophe 24. On a déjà eu le 16. Il y a un OM de Royan qui a essayé de nous avoir, mais bon, ça n'a jamais passé. Hachi trois coups, c'était pour la petite parenthèse. Mais autrement, oui, si, il y a du monde. Hein. Et comme ça, sur toutes les régions de France. Et en même temps, en même temps, on est en parallèle sur une web SDR qui est 11 mètres, qui est installée là, sur la Côte d'Azur. Voilà ce qui fait que ce qui nous permet de suivre deux QSO, c'est-à-dire notre QSO du sud-ouest, plus un autre en parallèle qui se fait sur le sud. Prépare les frites. Oui, affirmatif, 21h. Et encore merci pour le QSP, Jeannot. Hein. Merci à vous et à la prochaine. Ok, Jeannot, il n'y a pas de souci. Tu enverras le bonjour à tous les amis de Coquillon. Je ne manquerai pas. Allez, à le séjour. Vas-y, dis donc. Oui, c'est au 1351, la station, une prochaine, et merci de ton passage. Hein. Ok, Eric. C'est quoi l'indicatif de Jeannot? Parce que là, pour l'instant, c'est qu'un prénom, mais il a peut-être un indicatif ou je sais pas, dis-moi. Moi, c'est Jeannot de Coquillon. Hein. L'indicatif, tu sais, j'ai pas noté, non, mais quand je contacte, c'est Jeannot de Coquillon là-bas. D'accord, ok. Jeannot avec deux N, c'est ça? Oui, Brock, ouais, ok, ouais, ouais, non, ok, ouais, ouais, y a pas de problème. Désolé pour la question. Que je le retrouve. Voilà, juste que je le retrouve. Hein, quoi? Attends, je dis oui, mais en même temps que je parlais, je zappais. Arrête de faire 50 trucs en même temps. C'est 14 Charlie, 14 Charlie Papa, pardon, 346, 3-2-3e, 4-2-4e et 6-2-6e. Ouais, mais ça, c'est l'ancien indicatif. Ouais, 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 comme il nous a expliqué, c'est l'ancien indicatif avant que le club fonde les plombs. Ouais. Ils ont la voix des hommes qui arrêtent de t'embêter. Encore, donc voilà, ben, j'ai pas. Hachi. Ok. Est-ce que la tour de contrôle est des nôtres ce soir? Justement, j'ai un petit message à lui faire passer.
Est-ce que tu as des news, Eric, de Michel? Pas aujourd'hui, non, j'ai pas eu de contact, mais je pense qu'il viendra peut-être un petit peu plus tard, parce qu'il a peut-être de la famille qu'il a le vendredi soir. Ah, c'est vrai qu'il nous l'avait dit. Non, c'était puisqu'il est sur mon forum, la planète civile francophone, il y a un OM qui connaît certainement, Omar, que toi aussi. Alors, Jean-Maurice, alias Jean-Mi de Mérignac. Voilà, j'en dis pas plus. Qui était en même temps sur l'expédition de la butte de l'Aulnay. Là, tu vois de qui je veux parler. Attends, il y a quelqu'un qui s'est manifesté, j'ai entendu. Allô, derrière. Allô, attention, les stations, ici 14 Tango Charlie 033, à l'écoute de QSO. Break. Alors, ça, c'est Thierry, les bonnes 73, Thierry. Les... Au contraire. Ah ben je vois que vous avez du monde. Allez, je vous laisse à votre vaisseau. Bye bye, bonne soirée. Bon nuit et peut-être à tout à l'heure. Si, je sais pas, j'en sais rien. Je vais faire un tour plus loin. Allez, bye, amusez-vous bien. Ok, merci de ton passage. Alors, Jean-Maurice, alias Jean-Mi de Mérignac, qui était avec nous sur l'expédition de la butte de l'Aulnay. Sans dire plus, tu vois de qui je parlais. Bon, ben voilà, il s'est inscrit là de mon côté, là sur mon forum. Et comme je sais que Michel, justement, attend de voir d'autres EM qu'il connaît là, venir, ben justement, là, je voulais choper l'occasion là pour lui en faire part. Ah oui, d'accord, ok, ouais, je connais, ouais. Il y a aussi Christophe de Langoiran, SWL Christophe. Ben lui aussi, c'est pareil, là, il s'est inscrit. Hein. Oui, Christophe de Langoiran, mais peut-être qu'il est derrière parce qu'il vient souvent nous voir dans le QSO aussi. Christophe de Langoiran, es-tu derrière? Apparemment, pas encore, mais. Bon voilà, si tu as envie de lui faire un petit coucou, eh bien là, à moins le quart, là j'ai pas regardé là, mais à moins le quart, je sais que là il était connecté là. Ok, oui. Florian, je t'ai reconnu, t'es un petit peu décalé, mais je t'ai reconnu. Il y a Florian qui de Quinsac qui va venir voir Evonne, qui est parmi nous là, voilà, à toi, retour Florian. J'espère que tu vas bien. Mais je suis en compagnie de Rémi, Dandy 33, et puis Dolu, Ludovic, et puis il y avait le Coyote qui était par là tout à l'heure. Et puis voilà, donc je te retourne le micro, vas-y à toi Ludo. Voilà, 951, merci de ton passage, voilà, retourne-toi à toi.
Ah, pas du tout, j'ai quasiment, là, tout à l'heure, là, j'ai monté le volume pratiquement aux deux tiers, pour te dire que là, ça m'a bien cassé les oreilles ici, hachis, et j'ai quasiment rien sorti, je l'ai à peine entendu derrière, ou quasiment, ou rien. Non, les bonnes sont 1351 à lui, voilà, de la part de Dindy 33, mais hélas, je le sors pas du tout, hein. Ok, bon, mais je fais le QSP, vous avez les invités respectifs, voilà. Ok, à toi.